Ensemble pour la vie a été mis sur pied de façon paritaire avec la Fraternité et le service de police de la Ville de Montréal pour faire en sorte de prévenir les décès par suicide en récupérant nos policiers qui sont en détresse, qui passent des moments difficiles, pour qu'on puisse tendre autour d'eux un filet de sécurité pour les récupérer rapidement. Les quatre volets du programme d'aide sont en premier lieu la campagne de promotion, Ensemble pour la vie, qui rappelle aux policiers que si ça ne va pas, il y a plein de collègues autour qui sont là pour lui. Le deuxième volet consiste à la tournée des unités. Dans la tournée des unités, les psychologues se déplaçaient dans les unités de travail des policiers, dans les postes de quartier, pour les rencontrer et avoir une rencontre de sensibilisation par rapport à la prévention du suicide. Le troisième volet consiste en policiers ressources, c'est-à-dire un programme de soutien par les pairs. Un programme assez unique dans le sens que c'est vraiment une aide téléphonique où est-ce que les policiers qui sont en détresse ont l'opportunité de parler à un autre policier que nous avons formé, que nous supervisons, pour faire en sorte de sentir qu'un autre collègue peut être là pour lui. Le quatrième et dernier volet consiste à la formation paritaire. On a formé tous les nouveaux superviseurs qui deviennent dans un rôle de supervision d'une équipe et on a formé également tous les représentants syndicaux nouvellement élus pour faire en sorte que les deux travaillent de pair et ensemble pour mieux supporter un policier qui est en détresse. Ce programme-là est très, très, très apprécié. On ne peut même pas penser l'enlever. On sauve des vies. Alors, les policiers le connaissent, l'aiment et le réclament. Ne serait-ce qu'au niveau des événements majeurs, la première chose que les policiers demandent lorsqu'ils sont impliqués dans un événement majeur, c'est de demander les psychologues du programme d'aide. Le fait que l'organisation, la fraternité, se penche sur cette question-là, ça veut dire, ça donne le message, vous êtes important et quelle que soit la raison, on est là pour prévenir ces gestes malheureux.